Le Père Noël commence à ouvrir son sac de courrier avec l'aide des lutins et de la Mère Noël. Ma parole, il y a encore plus de lettres que d'habitude. Les enfants se jouent de plus en plus exigeants. C'est sûr, les lutins, vous allez devoir faire des heures supplémentaires. Marmonne le Père Noël dans sa barbe. Il y a même un petit garçon qui veut le dernier modèle d'un chien électronique et une tablette numérique avec des jeux violents. Les lutins n'ont jamais encore fabriqué ce genre de jouets. Que ce monde devient compliqué, pense le Père Noël. Moi, je les aimais bien et j'ai cru qu'ils allaient revenir. Mais il y a plusieurs semaines de cela et maintenant je sais bien qu'ils ne reviendront plus. Je suis tout seul, j'ai faim, j'ai froid et j'ai peur la nuit. J'attends toutes sortes de bruits bizarres, des animaux qui crient, des branches qui craquent. Je sais que tu existes, alors je t'écris. Je ne sais pas si tu pourras faire quelque chose pour moi. Je n'ai même pas de chaussures pour mettre sous le sapin qui me sert d'abri. Cela va certainement être dur pour toi de trouver ce que je voudrais. Je voudrais retrouver une famille avec une petite fille ou un petit garçon, ou les deux. Et je voudrais aussi un collier et une laisse pour me promener avec eux et pour qu'ils ne perdent pas. Je voudrais être tout près d'un sapin illuminé dans une maison où il fait chaud. C'est mon rêve. Toi qui sais faire des miracles, fais quelque chose pour moi. Je te fais plein de lèches. Père Noël, ainsi qu'à la Mère Noël et au lutin, je t'attendrai le soir de Noël sur la route qui mène à Sancerre. Quatre petits familles.
Que peut-on faire avec une histoire pareille? Le Père Noël. Les lutins pensent qu'il faut trouver une solution. Mais jamais on ne leur demande un vrai chien. Des chiens en bois, des chiens mécaniques, des chiens en peluche, des chiens masculins, c'est fréquent. Mais jamais des chiens en chair et en os. Alors la Mère Noël, assise elle aussi dans un grand fauteuil rouge, qui écoute tout en continuant à ouvrir les lettres, s'écrie. Nom d'un petit sapin, écoutez-moi ça. Mon petit Père Noël, je m'appelle Colette. Je ne voudrais pas te contrarier. Ce n'est pas facile à dire et en plus, papa et maman ne seront peut-être pas d'accord. Mais il faut bien que tu saches. Depuis plusieurs années, tu m'apportes ce que j'ai donné. Enfin, presque. Tu demandes un chien. J'en ai déjà plusieurs en peluche. Ils ressemblent à des vrais chiens, avec plein de couleurs. J'en ai des blancs, des noirs, des marrons, et même d'autres couleurs. J'en ai un qui a moi parce qu'il y a une pile dans le coffre. Mais ils sont toujours froids, et je ne veux pas les emmener avec mes autres chiens. Très bien, je suis désolée, mais cette année, je veux un vrai chien, avec un cœur et une pile, un vrai chien tout chaud, contre lequel on aime se débrouiller. Qui fait des lèvres. Chaque année des
chiens fabriqués de la main des lutins et qui demande un vrai chien mérite bien que tu le prennes ce téléphone, même si c'est la première fois. Les lutins frappent dans leurs mains et chantent. Vas-y. Je vais le faire pour cette fois seulement, et parce que c'est vraiment une histoire extraordinaire. Il passe dans la pièce d'à côté où se trouve le téléphone. On l'entend parler, mais on ne comprend pas ce qu'il dit. Un bon moment après, il rentre. La mère Noël et les lutins n'en peuvent plus d'attendre, et l'interrogent tous ensemble. Alors le père Noël, de sa grosse voix bourrue, déclare. C'est arrangé, mais que cela ne se reproduise pas. C'est désagréable de convaincre les parents et ce n'est pas mon rôle. J'ai déjà bien trop de travail avec les tournées. Alors le Père Noël, sous son grand traîneau, conduit par les rennes, est passé le soir de Noël sur la route de l'Ormolie. Un lit était là à attendre. Il a sauté tout joyeux dans le traîneau à côté du Père Noël. Ils ont survolé la maison de Colette. Un lit est descendu dans la cheminée et s'est endormi sous le sapin illuminé. Il faisait chaud. Au matin, quand Colette s'est réveillée, elle n'en croyait pas ses yeux. Il y avait un petit chien endormi sous le sapin. Et c'était un vrai chien, avec un cœur qui battait sous son joli pelage. Il était tout doux, il était tout chaud. Alors, avec des larmes dans les yeux, elle l'a pris dans ses bras, et lui, avec son bout de langue toute rose, il a léché ses larmes. Quel bonheur! Quand ils auront fini de faire connaissance et de se raconter un tas de choses, sûr, ils vont écrire une belle lettre au Père Noël pour le remercier. Voilà, c'était le conte. Thank you.
on va continuer avec quelques morceaux en commun, flûte et accordéon. Thank you.
petit mot. C'est mon bonnet, alors. Bah écoutez, je voulais vous remercier d'abord Daniela, ensuite tous les enfants, les adultes qui sont dans l'école de musique, de flûte et de l'accordéon. Merci d'être présent également. En fait, les concerts que fait Zermezel Patrimoine, c'est pour aider à restaurer notre église. Voilà, donc c'est l'intérêt de faire des manifestations. En tout cas, merci d'être venus si nombreux. Et n'oubliez pas une petite restauration à la salle des fêtes. Et à buvette en même temps. Merci à vous et bonne fête de fin d'année surtout. Bonne fête de fin d'année. J'ai oublié de dire les enfants de l'école de Zermezel. Je ne m'attendais pas à en avoir autant, mais je suis très contente, je suis fière de vous. Vous avez bien chanté.